Je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo qui est une vidéo d'annonce. Oui, parce qu'il y a une petite subtilité, il y a un lien sous cette vidéo ou dans les commentaires qui te permet de découvrir une nouvelle vidéo, je vais t'expliquer tout ça. Mais avant de commencer, une petite mise au point voilà, sur ce magnifique lever de soleil. Je me trouve actuellement sur la côte espagnole. C'est le matin, hein, ce n'est pas le soir, c'est le matin. Je suis en train de faire une petite balade, après je vais faire une petite méditation. Et voilà, je profite de ce moment de calme pour te faire cette vidéo. Donc, pour revenir à nos moutons, tu as dû te rendre compte, puisqu'on est au mois de septembre, bien avancé maintenant, qu'il n'y a pas eu de rentrée de l'université des hauts potentiels. Ben oui, on avait annoncé quelques projets avant l'été, une formation pour les coachs, thérapeutes, ou pour ceux qui veulent devenir coach ou thérapeute, de nouvelles formations qui doivent sortir aussi pour les hauts potentiels et les hypersensibles. On ne publie plus de vidéos, il n'y a plus de mails qui sont envoyés, bref, il n'y a plus de communication. Il y a une raison personnelle à tout ça pour laquelle ben voilà, la rentrée a été un petit peu compliquée. Donc pour ceux que ça intéresse, alors pas pour dire que ma vie privée interdit, mais pour avoir plus d'explications, le pourquoi du comment de tout ça, il y a un lien sous cette vidéo ou en commentaire qui va te permettre de découvrir sur notre chaîne complémentaire la vidéo complète, un petit peu plus longue d'explication. Pour ceux qui veulent aller plus vite, tout va relativement bien on va dire. Juste que tous les projets ont pris du retard et on ne fait que décaler cette rentrée de l'université des hauts potentiels. Donc, tu vas voir dans pas longtemps une vidéo qui va être publiée dans laquelle je vais faire un bilan de l'année dernière, parce que nous on marche un petit peu sous forme d'année scolaire, on aime bien la rentrée de septembre, après on fait aussi un bilan en janvier. Mais là je vais te faire un bilan de l'année dernière et aussi une explication de tous les projets de cette année, les améliorations qu'on va avoir. Comme ça tu seras au courant de tout ce qui va, tout ce qu'on va créer pour t'apporter du contenu, de la valeur. Et il y a plein de projets, tu verras, c'est assez intéressant pour toi. Et ça te permet surtout de réagir par rapport à ces grands changements, on va dire, géopolitiques. Ça nous touche. Voilà, aujourd'hui, ça y est, c'est jusqu'à présent, ça ne nous touchait pas. Mais là, ça y est, maintenant, les problèmes géopolitiques vont commencer à nous toucher personnellement. Et c'est pour cette raison qu'on va t'apporter des solutions pour répondre au type de problèmes qui peuvent arriver. Bref, je t'en dis pas plus, je t'en dirai dans les prochaines vidéos, mais on va faire des vidéos qui vont te permettre de voir la vie sous un nouvel angle personnel, professionnel, pour s'adapter à ces changements qu'on est en train de vivre, qui vont arriver cet hiver et qui risquent d'arriver de manière un petit peu plus puissante l'année prochaine aussi. Et donc pour ça, on a le droit. Dans tout projet, on a le droit d'échouer, mais on n'a pas le droit d'être surpris. Donc échouer, ça peut arriver, c'est un apprentissage, mais être surpris, ne pas se préparer, on n'a pas le droit. Tu sais que je suis issu du sport de haut niveau, et on a le droit d'échouer à une compétition, on a le droit de ne pas gagner. Par contre, on n'a pas le droit d'arriver à une compétition sans être préparé, en étant surpris de ce qui se passe. Eh bien, c'est la même chose dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle. Il ne faut pas être surpris, c'est pour ça qu'on va te préparer pour pas que tu sois surpris. Bref, tu as un lien sous cette vidéo pour découvrir l'explication complète de la raison pour laquelle on n'a pas fait cette rentrée de septembre. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle je te donnerai beaucoup de contenu. À très vite. Et je te laisse sur ce coucher de soleil. Pas coucher de soleil, non. Lever de soleil, parce que nous sommes le matin ici sur cette côte espagnole. Et je vais aller faire ma petite méditation. Ah, ça va faire du bien.